Sa carcasse de bison ne tarde pas à attirer d'autres animaux. Par chance, c'est un ours noir. Si une bagarre devait éclater, le grizzly aurait des chances de gagner, malgré son jeune âge. Mais il y a un animal qu'il ne réussira jamais à chasser de sa carcasse. La mouche à viande. Les femelles ont besoin de protéines pour leurs œufs. Et les ours en ont laissé à foison. De quoi nourrir les adultes et des milliers de petits. Les mouches à viande excrètent des sucs digestifs qui dissolvent la chair. Elles la dévorent à l'aide des crochets de leur bouche. Si elles pouvaient, elles mangeraient la carcasse tout entière. Mais on ne les laissera pas faire. Dépourvus de dents, les oiseaux ont dû attendre que d'autres se chargent d'ouvrir la bête morte. Maintenant, ils peuvent se servir en viande de bison et en ver. Les corbeaux raffolent de la chair morte. Ils peuvent consommer 2 kilos de bison par jour. En quelques semaines, cette demi-tonne de viande, d'os et de fourrure sera recyclée par les animaux de l'Ouest sauvage.